Mettre des mots sur notre rassemblement du 11 janvier. Là, on entend Bernard Guetta répondre à Florian Philippot. Vous, la réponse, vous l'attendez du côté politique ou d'entreprise plutôt, de citoyen ? Il faut absolument qu'elle soit de tous les côtés. Vous savez, l'offensive du Front National, elle date des années 70-80, au moment où les intellectuels de la nouvelle droite ont pris en otage un philosophe italien qui s'appelle Gramsci, qui était d'origine marxiste, et qui disait qu'en gros, pour conquérir le pouvoir politique, il faut d'abord conquérir le pouvoir métapolitique ou culturel. Et les offensives du Front National, c'est pour ça que Zemmour est essentiel, c'est d'abord des offensives culturelles. Et donc il faut répondre dans les médias, il faut répondre dans la rue aussi, comme ça a eu lieu le 11 janvier, il faut répondre sur les réseaux sociaux, il faut répondre absolument partout. Et il faut évidemment que la classe politique prenne conscience du danger et qu'elle revienne aux idées. Je veux dire, on s'écharpe aujourd'hui pour savoir combien de dimanches on a le droit de travailler par an, alors que dans 2 ans... on peut peut-être avoir le Front National au pouvoir. Un peu d'idées au milieu du spectre politique. Oui, et il faut reprendre les choses qui ont été kidnappées par le Front National. C'est hallucinant que la laïcité aujourd'hui soit kidnappée par le Front National. C'est hallucinant aussi que l'école soit absolument défendue par Éric Zemmour ou Alain Finkielkraut, l'école de la République, alors que le projet de l'école républicaine, c'était un projet de déracinement. C'était un projet politique qui visait à enlever les enfants des clochers, des terroirs. C'était créé à partir d'héritiers, des citoyens. Et ça, c'est l'antithèse du projet réactionnaire qu'on nous offre aujourd'hui dans les livres et malheureusement aussi dans les urnes. Merci infiniment, Raphaël Gussmann, Génération Gueule de Bois. C'est donc ce manuel de lutte contre les réacs. Vous restez avec